shadow grows on the wall behind. Est-ce que vous en voulez encore ? Oui ! Bon, ok. Je vous présente encore une statue de Lara Croft made in Gaming Heads, pas de souci. Mais avant, j'espère que vous vous portez bien et que votre collection se porte bien également. Bon, par contre, cette fois, notre héroïne est issue d'un jeu plus récent, sorti en 2014 sur PlayStation 4. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Il s'agit donc de Lara Croft and the Temple of Osiris. Donc là, on a un design bien plus moderne, et une Lara plus canon et énervée que jamais. Petite précision, c'est du 1 quart. Allez, on déballe ça. Thank you.
Voilà, bon, avant de faire ma petite critique, je tiens à m'excuser. Lors du montage, j'ai oublié de mettre le petit mousqueton sur la ceinture de Lara, donc il n'apparaît pas dans les images que vous avez vues précédemment. Désolé. Mais, mis à part ça, elle fait mal à la tête cette statue tellement elle est belle. Dans le monde de la résine, on entend souvent dire que les visages féminins sont très difficiles à réaliser, mais là, clairement, Gaming Heads a géré. Les détails sont vraiment bluffants, que ce soit au niveau des yeux, de la bouche ou de la chevelure. Et cette pose dynamique, waouh! Pour ce qui est du reste, ça va être assez rapide, y a pas grand chose à dire si ce n'est que la sculpture est top, les textures sont vraiment bien réalisées et la peinture est aussi réussie que sur la statue précédente avec de beaux dégradés. Le petit détail qui tue, c'est l'usure et les salissures présentes sous les bottes qui rajoutent du réalisme à cette pièce. Ah par contre, j'ai un petit point négatif quand même, sinon c'est pas drôle, hein. C'est au niveau du socle, j'aime beaucoup le rocher et le morceau de pilier, mais je trouve que devant la Lara, au sol, c'est trop vide et trop lisse. Mais vraiment, c'est pour chipoter, hein. Dans l'ensemble, c'est une pure merveille. Elle est limitée à seulement 1000 exemplaires dans le monde, alors foncez, foncez. Oui, oui, alors là, comme vous pouvez le constater, la vidéo est terminée, mais l'aventure Made in Japan TV continue sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner, s'il vous plaît. Allez, salut !